vous êtes là. Oh, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un saumon beurre blanc haricot vert. Alors, on va commencer par la sauce, directement. Il vous faudra des échalotes. Alors, avec bien le cul de l'échalote, la tête. Hop. Et après, on a juste à enlever la peau, comme ceci. On va inciser tout le long de l'échalote, sans aller jusqu'au bout de l'échalote. Après, on va faire à l'horizontale. Voilà, plus l'échalote est grande, plus ça sera simple aussi. Voilà, donc là on va mettre tout ça dans la casserole, on va allumer le feu, on va mettre du vin blanc. Ça va permettre de donner un excellent goût à la sauce. Ensuite, après avoir ajouté les échalotes, donc on va faire réduire à feu doux, on va faire les haricots verts. Alors on a des blancs ce matin et on a des verts. Hop là. Ça va, poulet? Ça va, poule? Oui. En forme? Oui, je viens de réveiller, je suis... Attention! Qu'est-ce que ça fait là? C'est mon araignée. Mais non, mais ils sont venus et tout, j'étais en train de faire la cuisine avec lui, tu vois. Ah, c'est des trucs chelous avec ça. Et du coup, tu veux venir avec nous? Ouais, allez, tu me laves les mains, j'arrive tout de suite, tu fais quoi là? Et ben là, je fais des haricots verts avec un saumon, sauce beurre blanc. Alors, on va vous expliquer quand même comment on les cut les haricots verts ou pas? Oui, bah oui. Est-ce que tu leur montrerais? Eh, mais j'ai déjà fait dans une vidéo, mais je veux bien le réexpliquer. Allez, hein, merci. Alors, c'est simple, on prend les extrémités et on les casse. Hop, pour aller de l'autre côté. On peut faire ça avec un couteau aussi, mais bon. Ah, nous, on fait avec les mains, quoi. Faire attention parce que ça coupe un couteau. Regarde la réduction. Non, on commence à être pas mal. Ah ouais. Tout le vin est en train de réduire, il s'en va. Et du coup, on veut vraiment que les échalotes soient sèches, vraiment sèches. Voilà, donc on a fini d'écouter les haricots verts. Ouais. On va les cuire à l'eau chaude avec du gros sel. Patrick va nous expliquer pourquoi on met du gros sel. Mais pour garder cette petite fibre. Comment on appelle ça déjà, la fibre comment? La chlorophylle. Et c'est pour garder la couleur, justement, de l'haricot vert. Et en même temps, ça les assaisonne aussi. Exactement. On a fini avec les échalotes. Regardez, ça a bien réduit. C'est bien sec. Alors on va prendre un feu assez doux. Et là, on va venir ajouter le beurre. Et on va mélanger au fur et à mesure. On ne met pas tout d'un coup. On va vraiment faire ça petit à petit. Est-ce que tes haricots verts sont bien? Est-ce qu'ils sont en train de nager? Ah, bien sûr. Ça se porte bien, mon pote. Ils sont dans la merde. Ils se portent bien. Ils sont gravés beaux. Alors, on va mettre la sauce sur le côté, comme ça le beurre va finir de fondre tranquillement. Tranquille. On va même éteindre le feu, c'est super, c'est cool. Ouais. Alors là, on va passer au saumon. On assaisonne, on met sel, poivre. On va mettre un tout petit peu d'huile, mais vraiment léger. En attendant. Voilà, alors là, on va juste mettre le saumon tranquillement, vraiment feu doux. Vraiment que la cuisson se fasse lentement. On va cuire le saumon à l'unilatéral, juste côté peau, comme ça. Et la chaleur va bien monter, tout doucement. Ben moi, je l'aime bien jusqu'à la moitié du saumon. Comme ça, je fais moitié cuit ou moitié cru. Alors, pourquoi c'est bon, tout simplement? Parce que c'est beaucoup plus moelleux d'avoir la chair aussi encore un peu crue. Et le cuit du dessous, c'est super bon. Moi, je vais mettre comme du beurre. Ça. Oui, mets du beurre dans tes haricots verts. Regarde, voilà. Là, la cuisson, en plus, même la chair se détache. Donc, c'est sûr que c'est bien cuit. On va commencer à dresser. Je vais vous montrer l'autre côté aussi, qui est un peu caramélisé. Comme ça, un peu croustillant, la chair, j'adore comme ça. On va venir saucer le saumon. Toi, tes haricots verts, ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Ils sont pas mal. On va venir assaisonner la sauce, sel, poivre. Pour la sauce beurre blanc, en vrai, il faudrait la passer au chinois et enlever toutes les échalotes et juste garder le beurre. Moi, j'aime bien les échalotes, alors je vais les garder. Je vais venir saucer comme ceci sur le dessus. Patrick va disposer ses haricots verts. Une petite feuille de basilic. Et voilà comment on a fait le saumon mi-cuit avec une sauce au beurre blanc haricots verts. On se retrouve bientôt sur YouCook avec mon pote là. On va manger ça avec lui, avec l'ingé son et moi avec le cadreur. Je vous fais plein de bisous, on vous aime très fort. Ciao! Ciao! Abonne-toi à YouCook pour ne louper aucune vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés sous le nom YouCook Cuisine. Un petit clic sur la miniature à gauche t'emmènera sur la playlist en cours ou un clic sur la miniature à droite t'emmènera sur la vidéo précédente. Allez, bisous! YouCook!